Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, oui toi là qui me regarde. Aujourd'hui une toute petite vidéo pour vous raconter une histoire qui m'est arrivée hier soir. J'étais dans un bar, c'était un bar, boîte, restaurant. Vous savez, c'est ces endroits qui font absolument tout en fait. Thé, café, chinois, restaurant, japonais, bon bref. En l'occurrence là c'était un bar et arrive un ami d'amis qu'on va appeler Bob aujourd'hui. Il s'appelle presque Bob, mais bon, on va l'appeler Bob pour pas qu'il se reconnaisse. Et Bob vient me voir et puis il me fait « Salut Antoine, tu bosses dans quoi ?» Et en général, c'est le moment drôle de la soirée. C'est le moment où je dis « Je gère un site qui s'appelle récupèremonex.com, c'est rigolo, mais en fait ça fonctionne, etc. etc. » Et donc, je commence mon speech et je dis « Voilà, je gère un site qui s'appelle récupèremonex.com et ça gère des ruptures amoureuses. Et c'est rigolo, mais en fait ça marche vraiment. » Et il me dit vraiment, je vous mens vraiment pas, il me dit ça c'est vraiment de la merde, ça c'est vraiment de la merde en bar quoi. Je fais ok. J'ai appris quelque chose avec le temps en fait, c'est de ne jamais aller contre les gens. Toujours dire ok, quoi qu'ils disent. S'ils disent c'est cool, tu dis ok, s'ils disent c'est pas cool, tu dis ok. Bon bref, ne jamais chercher à contredire les gens, surtout quand on se trouve en soirée et qu'on a d'autres choses à faire. Donc je dis juste ok, je dis ok, c'est bon. Juste tout petit retour en arrière, avant Bob, 10 ans, il y a 10 ans de ça. J'ai écrit un guide de séduction qui s'appelait Caser en une semaine, qui expliquait comment draguer, lorsqu'on a un homme célibataire à Paris, comment faire pour draguer une fille rapidement, en une semaine. Comment se mettre en couple en une semaine. Et j'avais dit à un ami qui était coach en séduction à l'époque, je lui ai dit viens on va faire un test, on va voir un mec qui est au bord du bar. Je lui ai dit tu vois ce mec là il est au bord du bar depuis à peu près une demi-heure et il mate une fille. Il matait une fille qui était juste devant lui. Il prenait son verre et regardait comme ça et il voulait y aller. Il voulait y aller au maximum. Mais à chaque fois qu'il se disait je vais y aller, il se disait je vais reprendre un verre juste pour me prendre du courage. Juste pour me prendre un peu de courage. Ça va le faire, elle va passer, je vais dire bonjour. Au final, le mec, au bout d'une demi-heure, était toujours planté devant elle et à la fin, il ne buvait même plus, il était juste comme ça devant elle. Il la regardait au loin comme ça. Et donc, je dis à mon pote, coach en séduction, il s'appelait Spike d'ailleurs, si vous le connaissez, je lui dis, viens, on va le voir, et on va voir ce mec, et on lui dit, pourquoi mec, tu vas pas voir cette fille qui est juste devant toi là-bas. Et il dit, je sais pas, peut-être plus tard, on verra, quoi. Alors que ça faisait une demi-heure apparemment qu'il était juste devant cette fille. Et donc, on lui dit, fais quelque chose. Il dit, si ça se trouve, il existe des techniques de séduction pour y aller. Peut-être que tu aurais des bonnes techniques, tu pourrais y aller, tu pourrais peut-être séduire cette fille, quoi. Et le mec, il me regarde comme Bob hier soir. Il me fait, ça, c'est vraiment de la merde. Ça, c'est vraiment fait pour les idiots, ce genre de truc. Et donc, on lui dit, écoute, ok. À l'époque encore, je voulais contredire les gens. Je dis ok, mec. Je dis je te fais un pari. Je vais voir cette fille. Je prends son numéro et je reviens ici en moins de 30 secondes. Et c'est pas pour m'inventer parce que ça marche pas tout le temps. Vraiment, ça marche vraiment pas tout le temps. La conquête amoureuse c'est pareil d'ailleurs. Ça marche pas tout le temps. Je vais voir cette fille. Et je m'approche d'elle, je lui fais 3-4 blagues, et puis à la fin je lui dis tiens si tu veux je prends ton numéro de téléphone, elle me dit ok. Et je reviens et je montre à ce deuxième Bob d'il y a 10 ans, je lui montre le numéro, je lui dis regarde mec c'est marqué 06 machin, j'ai eu son numéro quoi, comme quoi ça marche. Et il me fait je suis sûr que c'était juste de la triche, que tu connaissais cette fille et que vous avez fait ça juste pour vous foutre de ma gueule quoi. Et je suis sûr que ça marche pas. Donc bilan de cette histoire. Ne jamais essayer de convaincre quelqu'un qui ne croit pas en ce que tu fais, juste laisser tomber, passer à autre chose. Revenons à ce Bob de hier soir. Bob arrive, il me fait c'est vraiment de la merde, etc. Je dis ok très bien, mais parfait, je m'en fous et tant mieux, et parlons d'autre chose, tu vois, il fait beau, allons boire un verre, parlons de politique ou de n'importe quoi, tu vois. Et puis Bob revient, il dit ok, on parle de politique, on parle même pas de ça en fait, il me parle de foot, et c'est pas du tout une caricature, hein, les gens qui parlent de foot qui sont très bons en politique aussi. En l'occurrence, Bob me parle de foot, et au bout de 30 secondes, il me fait bon, admettons que j'ai une ex, tu vois, admettons que j'ai une ex à récupérer. Et que ça se soit passé un peu violemment récemment, tu vois. Qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Je dis, Bob, déjà, réfléchissons un peu à ce que t'as fait qui a causé la rupture, tu vois. Enfin, là, tout d'un coup, je reprends foi. Je me dis, allez, il trouvait que c'était de la merde, mais là, il reprend foi, faut que je lui parle. Et je lui dis, écoute, reparlons un peu de ce que t'as fait de mal dans la rupture amoureuse. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui a amené la rupture amoureuse? Il me dit, j'ai vraiment rien fait. Il me dit, sur YouTube, on peut dire les gros mots qu'on veut. Non, je m'en fous, ça sera pas censuré. Et il me dit, cette salope est partie avec un autre sans rien me dire du jour au lendemain, quoi. Je fais, ah ouais, c'est quand même dur. Et je lui dis, t'es sûr que t'as rien fait pendant tout ce temps? Je lui dis, réfléchis bien quand même. Il fait, non, j'ai rien fait, je vois pas. Il me dit, on n'avait pas fait l'amour depuis quelques temps, tu vois. Je lui dis, ah bon, combien de temps? Il me dit, je sais pas, quelques mois, tu vois. Après ça, j'essaie de lui faire parler un peu. Il me dit, on avait.
on était parti nulle part depuis 2 ans, tu vois. Je m'étais pas trop intéressé à elle, je voulais qu'on ait des enfants, tout ça. Moi, j'avais dit, écoute, on reste chacun chez soi. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on reste chacun chez soi, etc. Tu vois, tranquille, pas de stress. Bref, tu sentais bien que la relation avait déjà quelques petits soucis à la base. En plus du fait qu'il l'avait trompé avec 2-3 autres femmes. Bon, bref, détail par rapport à tout ça, quoi. Bien alors, mec, alors c'est quoi la magie pour récupérer cette fille? Bah, je dis, déjà, ce serait peut-être déjà bien de t'excuser, tu vois, de dire que, ok, t'as fait quelques erreurs et tu t'excuses. Et c'est déjà un super début, tu vois. Je m'excuse, j'ai un peu déconné. Il me dit, c'est à moi de m'excuser alors que c'est elle qui est partie, quoi. Non, mais il fait, non, mais je rêve, quoi. Bon, bref, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire, les cocos? Pourquoi est-ce qu'à vous, je raconte cette histoire? Pour deux choses. La première, c'est que Bob ne récupérera jamais sa copine, c'est juste sûr. C'est juste sûr. Et la deuxième, c'est que vous êtes différent de Bob. Pourquoi vous êtes différent? Parce que vous vous bougez les fesses, parce que vous comprenez vos erreurs, parce que vous analysez la chose, parce que vous suivez cette chaîne. Vous êtes là en train de vous marrer, peut-être, j'espère en tout cas, c'est en train de vous marrer, d'essayer de comprendre ce que vous avez fait de mal et de vous améliorer. Et vous savez, en fait, récupérer son ex, comme la séduction d'ailleurs au passage, comme pas mal d'autres choses, ça appartient à la catégorie dev perso. Développement personnel, ça veut dire se développer personnellement pour être quelqu'un de meilleur derrière. On peut être dans le dev perso pour récupérer son ex, on peut faire du sport, on peut faire de la PNL, on peut essayer de mieux communiquer, on peut apprendre des tonnes de choses. Et en l'occurrence, lorsqu'on est dans cette démarche, c'est déjà qu'on se prépare à être meilleur, on se prépare à être quelqu'un de meilleur demain. On se renseigne, d'une part, on regarde ce qui existe, et de deux, on s'arrange pour être toujours meilleur, pour comprendre, pour être quelqu'un de bien. Peut-être qu'on récupérera notre ex, peut-être pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que demain, on sera les meilleurs. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit j'aime, ça me fera extrêmement plaisir. Mettez-moi un commentaire, je réponds presque à chaque fois, une fois sur 2-3. Je réponds en tout cas, mettez-moi un commentaire en dessous, ça me fera extrêmement plaisir. Partagez si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.